Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de ce piano synthé flexible tout en silicone. Donc il a 88 touches, donc sans plus attendre, on va le mettre en place pour le tester. Donc alors avant de le mettre en place, je vais vous présenter ce qu'il y a dans la boîte. Donc on a deux petits objets en plus. Donc un petit adaptateur USB 5 volts pour connecter cette lampe, donc fournie avec. Donc ils mettent ça dans tous leurs appareils. Enfin pas tous, mais quelques-uns. Donc dans quelques trucs qu'ils vendent, ils mettent ça. Donc, plusieurs articles. Aussi on a un petit CD ici de pilote d'installation pour connecter à l'ordinateur le piano. Une notice d'installation et de présentation du produit. Ici, un câble micro USB pour transférer des fichiers MP3 sur le piano. Parce que oui, on peut mettre des fichiers MP3 dessus. Ici, une petite pédale pour tenir les notes, comme sur un vrai piano. Donc, en fait, quand on appuie sur la pédale, pour ceux qui connaissent pas, ça tient la note. Et au lieu de rester. En fait, on appuie une fois et ça joue comme si on restait appuyé longtemps. Et si on relâche, eh ben, on arrête en fait la note. C'est tout. Alors on va le déplier ce piano. Alors je vais me mettre un bout. Voilà. Et je vais donc le déplier. Donc il est assez long hein, quand même. Il fait allez, environ je dirais 1m20, 1m, même plus quand même, 1m50, 40. Voilà, 1m40. Mais déplié, bah vraiment il est tout petit, on peut le glisser dans un sac. Et voilà, ça prend vraiment pas de place. Alors au niveau des boutons ici, on en a plusieurs. Donc on en a même ici sur le côté. Donc on a plusieurs prises et ici la prise par exemple pour mettre la pédale, ici pour mettre des écouteurs, ici donc pour allumer et éteindre, là le HDMI de sortie et ici une clé pour mettre des fichiers MP3. Donc là on l'allume. Alors là il nous met sur 120, en fait c'est la on va dire la fréquence, enfin le numéro de l'instrument, parce que oui ça fait aussi synthé, on peut changer les instruments. Donc là regardez, voilà, alors quand j'appuie ça fait piano, en plus c'est super fin. Et donc voilà, bon c'est pas du tout la même on va dire la même texture qu'un piano, c'est pas du tout pareil au niveau des touches hein. Voilà. Et donc si je touche ici sur les côtés, sur les boutons, et eh ben ça va changer. Voilà, il y a plusieurs sons, guitare, saxophone, même des instruments vraiment futuristes un peu. Donc voilà, c'est vraiment un très bon piano. Il vaut environ 100 € sur Amazon. Donc on peut le trouver à moins cher si on veut celui avec moins de touches. Mais voilà, c'est vraiment un bon produit que je recommande vraiment. Et en plus, il y a plein de fonctions avec. Regardez, on peut donc régler le son, bah, ça c'est normal, le tempo. Mettre des MP3, des musiques à vous pour jouer avec. Vous pouvez même mettre un mode batterie où ça fait des rythmes quand vous appuyez sur les touches. Il y a même le mode vibrato où ça bouge les notes comme ça, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà, c'est vraiment un très bon produit que je vous recommande vraiment d'acheter.